faut vraiment que je vous présente un ami. Ignace, je pense que vous l'avez déjà croisé. Mmh. Franchement, il m'aide vachement à avancer humainement et spirituellement. Ouais, carrément, vas-y, appelle-le là, je t'en prie. Non, ça va pas marcher comme ça. Par contre, on peut tous prier. Vous êtes prêts? Saint Ignace, nous te prions. Hola. Salut. Oh, salut Ignace, ça a marché trop cool. J'étais justement en train de brûler un cierge à la bonne mère. Vous m'avez appelé? Ouais, on voulait te parler. Et franchement, hier, trop stylé, la vigie connectée. On a pu la suivre d'ici et tout. Ouais. C'était super. C'était bien, mais c'est pas fini la fête. Aujourd'hui, on est là, Toussaint. Exactement. La fête de tous les saints. La fête de tous les saints. Et d'ailleurs, moi, j'avais une question. Tu penses vraiment qu'on est tous appelés à devenir saints? Parce que moi, typiquement, tranquille, mais mes potes... Mais bien sûr, regarde-moi, au départ, c'était pas gagné d'avance. Mais par l'aide de Dieu et grâce à mes compagnons, j'ai pu suivre le Christ. Donc c'est pas l'apanage des vieux ou des gens parfaits. Regarde, il y a un gars, comment il s'appelle? Carlo Acutis. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines au paradis. Mais lui, c'est un petit gars qui vous ressemble. Et il a vécu une vie vraiment d'ado comme tout le monde. Mais elle a été transformée par l'Eucharistie, son autoroute vers le ciel. Et il est devenu bienheureux. C'est super encourageant ce que tu dis là. Mais t'aurais aussi un peu des tips pratiques? Des tips pratiques? Ouais, genre la santé pour les nuls, un truc du genre. Ouais, alors déjà je dirais le premier conseil que je peux vous donner, c'est il faut se faire accompagner. Moi au début j'ai voulu faire solo et en mode je voulais suivre Saint François, mais même être plus saint que lui. Il était pauvre, j'allais être misérable. Et ben je me suis pris le mur. Mais ce qui m'a aidé, c'est d'être accompagné, de me faire confesser et par quelqu'un qui voulait mon bien. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, je dirais qu'il faut s'engager. Ça, c'est sûr, c'est que Jésus nous dit ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il faut s'engager pour les pauvres, pour les personnes fragiles, pour toutes ces personnes. Mmh. Bien sûr, j'oubliais, mais la base de la base, tu suis quelqu'un. Donc, il faut voir toute chose nouvelle en Christ. Et pour connaître le Christ, c'est bien simple, il nous a parlé, il faut lire les évangiles. Et pour ça, il y a une méthode que moi je donne dans les exercices spirituels, c'est vraiment s'immerger dans les textes des évangiles. Mettre toute son imagination, ses sens, tout son être dans le texte pour vraiment vivre la scène évangélique et voir où on se place, etc. Et à partir de là, t'entres dans l'action et t'as envie de suivre le Christ. Ok, trop cool. Donc si je comprends bien, c'est un chemin qu'on peut faire à plusieurs, ensemble, chacun avec sa personnalité, chacun sa route en fait. Et puis après, ce qu'il faut vraiment, c'est ne pas copier les exemples qui nous précèdent, mais se laisser entraîner par le Christ. Oui, un peu chacun sa route. Chacun son chemin. Exactement, vous êtes sur la bonne voie. Super inspirant. Je m'attendais pas à ce que ce soit...